Hey, salut à tous les amis, c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre Let's Play sur Dragon Quest 11. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Dans les épisodes précédents nous en avions appris un peu plus sur l'intrigue, hein, avec l'autre trou de balle dont j'arrive toujours pas à me souvenir de son nom, nous a retrouvés et essayé de nous capturer. Il n'a pas réussi, on a réussi à s'enfuir au dernier instant grâce au bateau de Sylvando. Et du coup, aujourd'hui, nous devons aller à Swordhurst, au nord-est de Gondolia, pour récupérer le rameau irisé qu'un voyageur a acheté au roi de... je sais plus quel pays. J'ai du mal avec les prénoms, je crois que ça se voit. Bref, on est en mer, ok, très bien. Un petit combat pour nous mettre à chaud. Très bien. Bah, je vous propose qu'on les défonce. Putain. Ouch. On va utiliser une petite lame de feu, c'est très bien. Un petit banc. Putain, ils sont résistants, c'est bon. Alors, celui-là est mort, c'est bon. Et toi, tu vas te prendre une petite tornade, tiens. Putain. Allez, tu vas décéder, s'il te plaît, merci. Résistance, c'est bon, ce bordel. 150, très bien. Eric passe au niveau 16, parfait. Non, on peut utiliser point de compétence maintenant. Hop. On peut y aller. Alors là, c'est un autre endroit, mais j'ai pas de raison d'y aller. Alors c'est bien là-bas. Ouais, c'est là-bas. Très bien. Bien niveau. Putain. Encore des monstres. Un groupe d'outre-tombrelles. Très bien. Ils font mal? Couperet. Bon, je le one shot, donc c'est parfait. Hop. Alors j'ai plus de mode à les one shot avec Eric. Puis. Parfait. Un combat rondement mené. 192. Parfait. Et puis c'est un nouveau sort. Et 12 points, parfait. Le super décéléro. C'est plutôt pas mal comme attaque. Du coup, Véronica, elle est passée à 12, alors je vais pouvoir lui apprendre par magie, non, c'est peut-être celui-là. Maximum de PM avec la canne, plus 10. Ah oui, mais il y a ça après, ouais, donc ouais, je vais prendre ça. Quoi, oh putain, oui, c'est 13, merde. Putain. Tant pis. Putain, je croyais que c'était 10, je croyais que j'avais, comment dire, c'était 10. Alors par contre, elle, ouais, c'est pareil, c'est 13. Et Sylvando, j'ai pas trop fait attention. Alors c'est au poignard. Le prochain c'est Somnifère, c'est à 5. Ou Morceau du combat à 13. C'est pas grave. Du coup on va pouvoir avancer. Alors Swardeuse, j'ai une petite idée de quelle ville c'est. Je crois savoir. C'est un peu flou. Il y a quand même pas mal de villes dans le jeu, Swordhurst. Ouais, je crois que c'est celle-là. On va la découvrir dans pas longtemps, je vais pas spoiler non plus pour ceux qui la connaissent pas, même si bon, je peux vous donner des qualificatifs de la ville. Si vous ne la connaissez pas, ça va pas vous aider à grand-chose. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, très bien. On va pouvoir avancer tranquillement. Encore une vache qui va me donner la température, mais j'ai pas besoin de la savoir. Le nouveau monstre par ici. Très bien.
une petite cible à péter. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Putain. Ah, je voulais le taper avant qu'il m'attaque. Tant pis. Oui. Putain, par contre, ça va bien que vous me fassiez pas trop mal quand même. Un petit coup près avec un hypertonique. Ça fait du dégât. Voilà. Lame de feu. Bon, il serait grand temps que Eric obtienne un peu plus de force. Ce qui fait pas très mal. Là, pour le moment, je suis celui qui fait le plus de dégâts. Parfait. On va pouvoir aller se reposer par ici. Très bien. Donc, il fait ici, il fait beau. Très bien. Et ici, il pleut. Non, il pleut pas. D'accord. C'est qui a fait ce bruit-là? Ah, d'accord. Il y a des petits smilodons. Très bien. Pas des petits smilodons. Des gros smilodons. Puisque j'ai fait par hasard étape ici, je me suis dit que j'allais aider les autres clients en leur proposant d'autres quelques articles de première nécessité. Alors, pourquoi ne jettes-tu pas un coup d'œil? Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des nouvelles armes. Donc, il y a une rapière, l'épée très large, qui est à 1800. Je vais me l'acheter, tiens. J'avais oublié de me l'acheter, tiens. Hop. Ouais, parfait. Elle ressemble à quoi? Elle est sympa. Ouais, avec les petites marques et tout. Ouais, elle est grave stylée. J'ai pas des armes un peu plus sympathiques. Aiguille empoisonnée, ouais, mais ça, c'est... Ouais, d'accord, ça, je la connais. Ça, c'est... En fait, elle donne pratiquement rien en attaque. Je crois qu'elle doit donner 1, je crois. Ouais, c'est ça. Par contre, elle a 4% de chance de tuer instantanément l'ennemi. C'est pas foufou, 4%, hein, pas se cacher. Ça peut être utile, des fois, genre... Donne un petit un coup et hop, c'est bon, c'est fini. Ouais, pareil, ça donne que 2, donc c'est pas très efficace. Ça, c'est une des armures. Bon. On verra les armures une fois qu'on sera arrivé à Sword Est. C'est dur à dire. 50 pièces d'or, putain. Ça a monté les tarifs. Alors ça, ça doit être l'église. Très bien. On va y aller. Hop. On va pouvoir continuer à avancer. Après, je vois un... Ah oui, d'accord. J'allais dire pourquoi je vois un... Là. Une mise à jour de Skyrim. Parfait. On m'en fout un peu, c'est pas grave. Il m'attaque, lui? Ouais, viens là, toi. Oula. Alors, ça l'a attaqué sans l'attaquer. C'était bizarre, ce qui vient de se passer. Ça, c'est des archimères. Avant, j'ai l'impression que c'est vraiment des smilodons tout basiques. Ouais, c'est des smilodons basiques, un peu plus fort, mais c'est ouais, basique. Bizarre, je pensais que ça allait être des smilodons autres. Enfin, même si la couleur était la même, mais. Bon, quand même. Non, on va balancer un banc, on va faire comme avec Véronica. Bon, c'est beaucoup moins fort que Véronica, mais c'est pas grave. Alors, on va finir celui-là. Bien. Toi, tu as lancé une tornade sur les archimères. Parfait. Et on va pouvoir tuer celui-là. Putain. En état d'hypertonie. Très bien. Pas que les monstres comme celui-ci pouvaient... J'avais que les boss pouvaient en rentrer en état d'hypertonie, mais alors les monstres... Veronica wins again. Parfait. Bon, écoutez. On va avancer, tranquillement. Plein de petits monstres. C'est quoi, cela? Je les ai jamais vus. J'ai jamais vraiment intéressé aux monstres de cette région-là, je l'avais un peu... Enfin, je l'avais un peu foncé dans cette région-là. Je les connais pas, d'accord. Alors c'est des nouveaux monstres de ce 11e épisode. Alors je pense qu'un crâne devrait être plus efficace. Voilà, parfait. Ok. Une petite lame de feu sur celui-là. Voilà. Alors ce ouais, c'est un personnage parfait. Et on va balancer pareil un crâne. Putain, bon, j'ai rien fait, mon dieu.
J'ai rien fait. Bah du coup t'en as. Voilà. C'est parfait. Parfait. Monstricide, décerné pour avoir vaincu 300 monstres. C'est tout? J'ai vaincu que 300 monstres, très bien. Alors ici c'est quoi? Ouais, c'est des ruines ça. Ruines de Vordrassil, octogonia pour Vordrassil. Merde. Bon, très bien. Alors on va faire une lame de feu. On va d'abord attaquer lui parce que je pense que ça va être le plus fort des deux. Confusion. Parfait. Super de Severo, très bien. Alors je voulais utiliser banc, mais c'est pas grave. Du coup j'aurais pas besoin d'utiliser banc avec mon perso. Tornade. Parfait. Et du coup on va pouvoir attaquer avec un petit coup près. Parfait. Hop, je monte au niveau, 3 points de compétences obtenus. Sylvando, pareil. Non, on peut l'utiliser maintenant. Et on tient une aile de chimère, c'est parfait. Ça ne sert pas à grand chose. Mais on est content quand même. C'est bien par là que je dois aller. Oui, ça doit être par là que je dois aller. Alors, parcours le monde à la recherche d'indices permettant de localiser leur moralisme. Très bien, très bien, très bien. Alors, on a une petite. Non, je peux pas rentrer dedans, dommage. Alors oui, du coup, oui, je suis en train de réfléchir. En fait, Swardust, c'est la région. Swardrust. C'est la région, en fait, tout simplement, c'est pas le... c'est pas la ville. Donc au final, je pouvais dire que ça me rappelait quelque chose, mais non, en fait, ça me rappelait pas. Enfin, je sais c'est quoi la prochaine ville, du coup. Mais, en fait, c'est la région, je suis complètement gouré là-dessus. À vrai dire, comme je l'ai fait qu'une fois le jeu, je connais mal la région. Bah. Dans un sens, je suis quelqu'un qui oublie très très rapidement les noms, en fait. Dans les jeux vidéo, genre je vais écouter un dialogue, et puis bah, deux secondes après, bah, alors il va parler de quelqu'un, alors le prénom, voilà. Oula, piaf. Du coup, on va aller à Octogonia, et après, on ruine de Vordrassil, voilà, donc on en parle depuis le début. On arrive enfin dans la région où on a Vordrassil. Alors on va tuer un petit peu un petit Saint-Bernard. Un petit vampire, alors c'est un vampire, vampimage, non pas vampimage, vampivorace. Alors je n'aurais pas dit celui-là, mais je connais vampivol, vampivol avec un LE, vampimage. Du coup celui-là c'est vampivorace. J'aime beaucoup les vampivol, je trouve ça, je trouve stylé. Alors Saint-Bernard, tu meurs. T'es toujours pas mort. Donc on va faire un petit banc. Parfait. Toi, tu vas soigner. Hop, Eric. Parfait. Putain. Pas sûr de pouvoir utiliser coup près, hein, ça utilise des PM pour rien. Hop. Ok. Très bien. Waouh! C'est vrai que c'est très fun. Voilà. Maintenant, vous allez arrêter de rigoler, s'il vous plaît. Wonderful. Oui, c'est ça. Wonderful. Ah là là là. C'est pas possible. Bon. Alors, je vais pas non plus m'attaquer à tous les Saint-Bernard. Ça ne me sert pas à grand chose. On a un gros costaud là. On va taper le gros costaud. Avant d'entrer dans le village. Un groupe de bourreaux. Ça de gros, mais putain, quoi. Ils attaquent avant moi alors que j'ai tapé. Enfin, je les ai surpris. Très bien. Et ben, on va s'occuper de lui. Hop, bah, couperai sur le bourreau A. Et comme ça, tu décèdes. Parfait. Une petite glace sur toi. C'est parfait. Putain, il fait mal quand même, 30.
C'est pas dégueu là. Un petit coup près. Encore une fois. Parfait. 270 d'or. Enfin d'XP. Okay. Il m'a filé son caleçon en cadeau, super. Donc, nous allons pouvoir aller à Octogonia. C'est parfait. Hop. Alors, nous avons de nouveaux monstres. Très bien. Alors, ouais, c'est une ville assez spéciale. Hein. Vous allez vous rendre compte quand on va rentrer dedans. C'est assez spécial comme ville. Enfin, si on peut appeler ça une ville. Ouais, si. Alors, vous allez voir. Je vous laisse découvrir ça avec la petite cinématique, à mon avis, qu'il va y avoir. Octagonia, home of muscular brutes beating the bejesus out of each other. I've always wanted to visit. Oh, great. They're fans of Hendrik, huh? I hate this place already. Hey there, handsome. Y'all here to take part in the tournament? You sure oughta. The Masked Martial Arts Meet is where all the biggest fighters make their names. What's it say? Show the world what you've got in the greatest fighting contest anywhere in Erdria. Awesome prizes available. A tournament, eh? I thought she was going to invite you to a boring old dance or something. I wonder what the masks are for. What's that at the bottom? All bouts to be held in the rooftop arena. I suppose that must be on top of the big building over there. Très bien, donc nous voici à Octogonia. Donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est une ville qui est construite autour d'un énorme colisée. Du coup, c'est une ville où se joue une sorte de tournoi d'arts martiaux. Alors, se déroule tous les combien de temps, je n'en sais rien. Je crois que c'est pas dit dans le jeu. Enfin, voilà, du coup, on va pouvoir participer à un tournoi d'arts martiaux. Et c'est plutôt cool. Alors déjà, hop, on va regarder les nouvelles armes. Épée large d'acier. Ouh, le sabre noir. C'est stylé. Alors déjà, on va pouvoir acheter de l'épée large d'acier à Eric. On va juste regarder ce qu'il y a. De boulebrang. Ça, donc ça lui donne pas beaucoup. Bâton de célérité. Ça donne plus de puissance magique, plus d'attaque, plus de son magique. Absorption de PM, c'est 9%. Augmente l'essai de l'utilisateur si le bâton est utilisé comme jeu au combat. Ouais, c'est pas foufou. Ok, si je vais acheter l'épée large d'acier, je vais l'équiper à Eric. Hop, comme ça il va avoir une meilleure attaque. Décerné pour dépenser 2000 pièces d'or d'un coup. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Et on va avoir les petites armures. Hop, alors on a le pareil, bouclier de fer, casque de pierre. Là, ça donne pas mal de défense, j'ai l'impression. Toujours un plume. C'est pareil, ça c'est pareil. On a le manteau d'esquive qui va être pas mal pour les filles. Puis même pour Sylvando, s'il va monter bien. Et le du coup, l'armure de fer, ouais. C'est toujours pareil. Bon, très bien. Écoutez, je vous propose qu'on aille voir sans plus tarder le Colisée. Voilà, encore, encore un skin réutilisé. Très bien. And who bought it from the Sultan of Gallipolis must have sold it to the tournament organizers. Does this mean we're going to have to enter the tournament? Nope. It means we're going to have to win it.
Très bien, donc bah du coup, le rameau irisé se retrouve ici. On va devoir s'inscrire. Et bienvenue à Octogonia. Si tu veux monter sur le ring et participer au tournoi d'arts martiaux masqué, tu es au bon endroit. Ceci est le bureau des inscriptions. Les règles sont simples. Chaque combat oppose deux équipes de deux combattants et tout le monde porte un masque. Les équipes sont tirées au sort. C'est ça qui est drôle, le hasard. C'est pour ça que les gens reviennent année après année. Cette fois, nous avons des prix très spéciaux et le plus convoité est le rameau irisé. Tu imagines même pas le mal que le maire s'est donné pour mettre la main sur ce truc. Je sens le combattant en toi. Alors, tu penses quoi? Tu veux participer au tournoi d'arts martiaux masqué? Oui. Voilà la réponse que j'attendais. Tiens, voilà ton masque et ton numéro pour le tirage au sort. Bonne chance. Reçois un masque et un ticket portant le numéro 11. Il est désormais prêt à participer au tournoi d'arts martiaux masqué. Le tirage au sort des équipiers va bientôt commencer. Rends-toi au troisième niveau de l'arène dès que tu es prêt. L'ascenseur qui se trouve derrière moi t'y amènera directement. Bonne chance pour le tirage et amuse-toi bien. Objectif fervent, descendez pour avoir collecté 100 types d'objets différents, très bien. Alors ça n'a rien à voir avec les quêtes, mais c'est bien. Du coup, faut que je monte, c'est ça. Tu as un masque? Oui, tu peux passer, tu es prêt? Parfait, c'est parti. Bon, très bien. On va pouvoir aller faire ce petit tournoi d'arts martiaux. Donc, un tournoi d'arts martiaux avec une grosse épée. Je suis pas sûr que ce soit très légal, mais bon. On va rien dire, hein, si il me laisse garder ma grosse épée, mon épée très large. Vive le nom. Je pense que ça va bien pour le faire. Ok, arène antichambre. Parfait. Alors là, c'est un coin pour dormir. Très bien. Le tirage sort, allez le arène, monte escalier et tu y seras. Très bien. Je vous propose qu'on y aille sans plus tarder pour que ça commence. Ladies and gentlemen, are you ready? It's everyone's favorite season of the year, fighting season! Let's throw open the big book of brawling legends and get ready to write in some new names. The Masked Martial Arts Tournament starts here. Now before our fighters get down and dirty, it's time to find out who'll be paired with who. Let's hope everyone gets the partner they deserve. I'm going to draw balls from this box right here and call out the numbers. Each pair of numbers forms a team. Fighters will be counting on you to make the most of whoever you're matched with. Remember, teamwork makes the dream work. Alrighty, let's get started. And the first number is 11. Fighter number 11, step right up. All right, now time to find out who'll be fighting beside you. Let's see, who will it be? 8. It's fighter number 8. Number 8, make your way up to the stage. Charmed, I'm sure. Hold on a wee second there. I'm not putting this young lass's fate in the hands of a ballyhoo like you and your box of balls. But sir, it's the rules. You don't tell me anything else, you gotta say it. I mean, allow me to check that with the official adjudicator. Aye. My mistake, fighters. Seems this gentleman here has a special arrangement. Number 11 gets another pick of the partner pot. Oi, what's the big idea? Play fair, will ya? Come on now, folks. Be reasonable. The official adjudicator has spoken.
Now, why don't we see who number 11 will be fighting beside? Hey! It's number 7! Fighter number 7, come on down! Looks like I'm up. Vince got picked already. Well, how about that? Number 11's new partner is last year's champion, Octagonia's favorite son, Vince Vanquish! Hey man, good to meet you. Let's break some heads. Le tirage au sort se poursuit jusqu'à ce que toutes les équipes soient constituées. That's it, folks! Our teams have been decided! Now all that remains is to wait for the action to begin. Let's wish the best of luck to all our fighters! Très bien. Bon, alors du coup, on se retrouve avec Vince, ce qui est plutôt pas mal vu que c'est les gagnants de la saison précédente. Ça donnait quoi ce tirage? À voir ta tête, je dirais que tu es tombé sur un bon partenaire, non? Il va falloir patienter encore un peu avant les combats d'ouverture. Pourquoi tu n'irais pas te reposer à l'auberge maintenant? Ça ne te coûtera rien, les combattants sont logés gratuitement à l'auberge d'Octogonia. J'en profiterai, chez toi. Ah oui, l'ascenseur, tu veux descendre de l'entrée? Pas de problème, attends, c'est parti. Parfait, donc du coup on va se reposer un peu avant le début du tournoi. Alors une histoire encore un peu étrange, la fille qui vient de voir avec qui on devait être, et le vieux papy qui voulait absolument être avec elle. C'est intriguant. Je pense que vous avez reconnu, même s'ils avaient un masque. Hein. Je pense que vous avez reconnu les deux protagonistes. Et donc il y a forcément une histoire, mais je vais vous laisser la découvrir. Hop, petite cinématique. I heard that you've been paired with last year's champion. Lucky old you. Not that you even need a partner. I was just saying to Veronica, they should change the rules so you can compete on your own. Wasn't I, Veronica? Veronica? Where's she gone? She was here a moment ago. What's all that commotion outside? Oh. Oh dear. Why don't you learn to look where you're going? Me look where I'm going? You were the one strolling around with your nose in the air, you snooty little midget. What? That's ridiculous! You walked right into me, you big lump! Didn't your mother ever teach you to say sorry? Cool. You really don't know where to shut up, do ya? This is all I need after me bleeding, stinking luck and that bleeding, stinking draw. Don't take it out on the kid, Underdigger. We all have our bad days. Who said that? Come here and I'll... Champ. I get it. You didn't get the draw you wanted. But you gotta roll with the punches, man. I mean, you're a tough guy. What does it matter who you partner with, right? Well, since you put it like that, champ. Sorry, Squirt. I'll, Kev? Kev, is that you, mate? Kev? Veronica, are you all right? Hey there, partner. You know this little lady? I guess all's well that ends well, huh? Glad I could help out. All right, gotta bounce. I got kids to feed, then I'm hitting the sack. We ain't gonna win tomorrow if we don't rest up.
You take it easy too, you hear? I'll come get you bright and early. Très bien. Alors, je veux pas dire, mais Véronica a le don de se foutre dans toutes les emmerdes possibles. Ah, ouais. Elle a pas fait que rapetisser, hein. Je crois qu'elle est aussi, enfin, également devenue une gamine dans sa tête. Alors du coup, je descends pour rien, parce que je voulais aller me reposer. On va peut-être sauvegarder avant, parce que je sais pas si... si je perds, si ça fait quelque chose. Je sais pas si je retourne là, je crois que j'entends pareil avec la dernière sauvegarde, donc... non, c'est pas ça que je veux faire. Parfait, bon. Allons-y. Non. Je me paume un peu dans la ville. On va aller se reposer tranquillement. C'est toi le partenaire de Vince. Il est passé il y a quelques instants. Il a dit qu'il viendrait te réveiller demain matin. Pour que vous soyez à l'heure pour votre premier combat. Tu es peut-être déjà au courant, mais les combattants sont logés gratuitement ici à l'auberge d'Octogonia. Tu es prêt à aller te coucher. Et oui. Parfait, dans ce cas, je vais te montrer ta chambre. Repose-toi bien pour être en forme demain matin. Parfait. Rise and shine, partner. Time to hit the arena. Très bien. Alors il est là, lui, à mon avis, je peux encore faire 2-3 petites emplettes, mais bon. Hé, hey, partenaire, c'est l'heure d'y aller, tu es prêt? Super, on va faire du grabuge. Exactement, on va les défoncer un à un. Alors, je sais pas si mes coéquipiers, je crois pas que mes coéquipiers sont inscrits. Mais si, je crois que dans le tournoi, il y a Eric d'inscrit. De mémoire. Gentlemen, the wait is over. It's time for our first bout! And boy, is it a big one. Vince Vanquish and his mysterious new partner take on the Underdigger and the Abominable Showman! Teams, enter the arena! We meet again, Underdigger. Gotta stop bumping into each other like this. Oh, give me a break, will ya? Up against a champ in the first round. I must have the worst bleeding stinking luck in the old bleeding stinking world. Right you, here's the plan. We wallop the kid first, then we move on to Vince, right? That way, we might actually stand a chance of getting out of here alive. Sure thing. We're gonna win this easy, and then all the girls are gonna be swooning over me. You'll see. All right, teams, I want a nice clean bout. On my word. Here it comes, folks. L'abominable des neiges, le fossoyeur approche. Très bien, premier fight. Ils font mal. Alors vous pouvez attaquer lui, je m'en fous. Hein. Alors, nous allons déjà commencer par une petite double garde. Parfait, l'attaque deux fois. Bon, si je commence à faire autant de dégâts, ça va pas mal. Hein. Parfait. On va tenter un petit coup près.
Je pense que je pourrais résister encore aux erreurs d'attaque. Parfait, je suis plus rapide. On va très bien, du coup là on va se soigner. Alors mes soins sont pas très efficaces. Ma double garde qui fait effet. C'est bien, il fait pas mal de dégâts lui, c'est pas mal. On va continuer avec un petit coup près encore. Tiens, vas-y, attaque-le avec tes coups critiques. Moi, ça m'arrange. Oula, ça risque de piquer. Parfait. Ouch. Ça va piquer. Ah putain. Mon dieu. Préparez-vous à avoir l'attaque la plus puissante du monde. Le méga coup de cul. Ça fait mal, un gros coup de cul. C'est absolument ridicule comme attaque. Il y en a un qui est bientôt mort. Très bien. Parfait. Un de KO. Ouch. Ça pique. J'aurais peut-être dû m'entraîner un peu plus pour avoir les... Ouais, merci. Parce que mon soin est pas assez puissant en fait. Je sais pas si j'ai des objets intéressants. J'ai quelques remèdes puissants. Ouais, bon, écoutez. J'ai quelques remèdes puissants, il va falloir faire avec. Hein. En espérant qu'il ne fasse pas trop de coups critiques. Parfait, continuons à lui faire pas mal de dégâts comme ça. Ouh. Très bien, l'état hypertonique. Là, tu vas prendre cher. C'est pratique d'avoir un petit mortel. On va t'attaquer tout simplement. Et ça suffit. Premier combat remporté. 302 XP et 120 d'or. Très bien. That's it! It's all over! Vince has done it again! Nice job, partner. You're tougher than you look. Huh. Sounds like the next fight started already. Would you look at the kid go? She's incredible! This girl, I can barely keep up. And what's with the old guy? He's just standing there. You do make it ever so easy. You're done, kid. Fight's over! Rab and Jade are the winners! Heavens be praised! How are we supposed to compete with that? Admit it, Vince. Even you're impressed. Yeah, she ain't bad. La phase de qualification touche à sa fin. Vince et Mato passent sans encombre au tour suivant. All right, folks. Here are the teams who'll be fighting it out for your pleasure in the final bouts.
Will Vince and his new sidekick prove invincible and take the title again? Or will Rab and Jade continue their incredible run and pip the champ at the post? It's all still to play for. Come back tomorrow when the action continues. You won't wanna miss it! I lucked up getting you as my partner. We're in with the chance, you and me. Anyway, I better go. The kids will be waiting for me back at the orphanage. Très bien. Bon, alors Eric s'est pris une grosse dérouillée par Jade. Très bien, c'est plutôt bon signe. Alors à mon avis, ils vont en parler là. Going out in the first round. Look, I did the best I could, okay? But she's not normal. Puh. Are you sure you weren't just love-struck? You looked a bit weak at the knees to me. And what with her flashing her legs around like that? What? Veronica, it's them. Huh? Excuse me, lassie. Would you mind standing aside? Oh, yes, of course. Sorry. Shall we? I'd keep a close eye on your partner if I were you. Keep an eye on Vince. What does she mean by that? You don't think it could be anything to do with the missing people we heard about, do you? Didn't someone say that they were all competitors in the tournaments they have here? Could Vince be in danger? Missing people? That's the first I've heard of it. Doesn't sound good, though. Maybe you should go check on Vince. Don't want your partner disappearing before the big day. Très bien, bah je propose qu'on aille le faire, oui. Alors Vince... ça me l'a attend. Mais j'ai pas besoin de me soigner, très bien. J'ai regardé combien de XP je monte, c'est un peu beaucoup. Alors Vince, il me semble qu'il habite là, ici. On se voit tout à l'heure. Très bien. Hop, alors on va le suivre. Il est extrêmement rapide. J'ai couru après lui et je l'ai pas rattrapé. Très bien. Petite cinématique. Ah. Oh, it's you. Man, I thought you were some creep sneaking up on me. Sorry, it's just... I keep hearing about fighters going missing. Kinda puts a guy on edge, you know? Didn't mean to scare you, partner. Seeing as you're here, why don't you come inside? Hey, look! Uncle Vince is back! You kids were good while I was gone, right? Uh-huh. Is this a friend of yours, Uncle Vince? Yup. A very important one. So you play quietly while he's here, okay? Oh, beat you there! Beat you there! Catch me! I was born and raised in this orphanage, man. That's actually why I fight. Wanted to raise some money. Give a little something back, you know? Trouble is... fighting's all I'm good at. If I stop winning, these kids stop eating.
Won't be a problem this year, though. You and me, we're going all the way. Good to have you along for the ride, partner. Vince parle des heures durant pendant que Mato tente tant bien que mal de placer quelques mots de temps à autre. Man, look at the time. Sorry, once I start gabbing, I kind of find it hard to stop. Wait, was there something you wanted to talk about? I mean, I'm guessing that's why you came to... Huh. Hey, did you hear that? It came from my room. There it is again. There's somebody up there! Putain, c'est le mec qui veut... C'est la personne qui kidnappe les combattants? C'est possible. Putain, elle est où sa chambre? Elle est là. Man, some punks tossed my room. What kind of lowdown, dirty thief, burglarizes an orphanage anyhow? And what were they looking for? Just you creeps, wait! Listen, we got a fight to think about. It's late. You should stay here tonight. You down with that? All right, go get some shut-eye. I'll wake you when it's time to hit the arena. Up and at 'em, partner. It's fighting time. That's the spirit. We got a fight to get to. Très bien. Bon. On va pouvoir continuer les combats de ce petit tournoi. Un peu bizarre cette histoire. Bon, arène anti-charme, très bien. Alors les amis, je vous propose de faire un tout petit cut comme la dernière fois. C'est pour récupérer de nouveau 60 minutes d'enregistrement. Parce que je sais pas encore combien de temps ça va durer. Je reviens tout de suite les amis. Re les amis, on est de retour. J'ai récupéré 60 minutes de diffusion. On est bon. Hey partner, c'est bientôt l'heure du combat. T'es prêt? Ça fait plaisir d'entendre ça, allez on y va. Très bien. On va pouvoir aller botter du cul. C'est parfait. Ladies and gentlemen, are you ready for some more masked martial arts action? Our first fight of the day features the favorites for the title. It's the Invincibles, starring none other than reigning champion, Vince Vanquish! They'll be facing off against hometown hotties, Cinderella and Wambolina, aka the Beatty Queens! I'm Cinderella. And I'm Wambolina. Hello, boys. Seems the girls have brought their fan club along. Well, get ready to cheer your hearts out, folks. Something tells me this is going to be about to remember. Fighters, get ready to go to war! Don't let the pretty act fool you. They made it this far. That means they can fight. On your marks. Get set. Fight! Thank you.
Très bien. On a rond de jambes et clé de bras. Les meilleurs surnoms. Putain, super crâne. C'est pas dégueu comme ça. On va faire une petite double garde pour être sûr d'être bon. Un bisou bien bavé, sérieux. Putain. C'est pas possible. Oui, totalement fasciné. Pas mal. Bon, par contre, j'aimerais bien. Eh ben, j'ai rien pu faire. Bah, ils m'ont pas laissé attaquer. Très bien. Ok, 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 c'est parfait. J'ai pas pu attaquer. J'ai été directement hypnotisé. C'est très bien. C'est très très bien. Bon, il va y avoir une petite. Petite embrouille là, je crois. Eh hey, vieux, comment tu te sens? Écoute, j'ai de bonnes nouvelles. Après ton KO, j'ai tenu bon et on a décroché un match nul. Ça veut dire qu'on a une deuxième chance. Par contre, il faut qu'on gagne cette fois. Fais ce que tu as à faire et viens me trouver quand tu seras prêt. Bon bah écoutez, on restait une deuxième fois. Si je repère, j'arrêterai l'épisode là, j'irai m'entraîner et on ira tout finir dans l'épisode prochain, je pense qu'on fera. On va faire comme ça. Parce qu'on est déjà à 51 minutes de vidéo. Enfin, je suis déjà à 51 minutes de vidéo sur mon compteur. Et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus. Alors c'est toujours même. Ouais c'est parfait, alors attends. On va passer la cinématique, on n'a pas besoin, on l'a déjà vu une fois. On va réessayer puis on va voir si ça passe. Alors. Putain, on balance directement super crâne, c'est parfait. Alors je propose de faire quelque chose. Quelque chose qui est assez utile. On va faire une torpeur. Contre elle là qui va me casser les couilles. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Et du coup on va pouvoir s'attaquer à l'autre. Comme ça, au moins elle, elle dort. Et elle me fait pas chier. Par contre, tu n'aimes pas l'attaquer. C'est bien, t'es intelligent vite. C'est pratique. Couperet. Par contre, elle a quand même pas mal de vie. Putain, mais il attaque pas. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là. C'est ça, elle a le sang partiel. Elle est très chiante, elle. Putain, alors du coup, on va l'endormir, elle. Putain, elle s'endort pas, elle. Putain, hypertonique en plus. Ça m'arrange pas des masses. Ça m'arrange pas des masses. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Faut vraiment que j'arrive à tuer celle-là en premier. 76 de dégâts. 72 de... Putain, ils vont faire leur ultime en plus là. Et ça va faire mal, putain de merde. Une super flamme. Ah bordel, alors je vais utiliser... remettre puissant sur moi-même. C'est déjà mieux que rien. Vas-y, continue à l'attaquer. Ton super crâne fait... Oh, putain, il a remonté en dégâts. Merci, c'est gentil. On va pouvoir continuer à attaquer. Couperet. Putain, elle est bientôt morte. Allez, on continue. Putain. Parfait, je peux encore attaquer une fois. Vas-y, dis-moi que je la mets KO. Parfait. On va pouvoir s'attaquer à elle. Correctement. Merci beaucoup. Plus rapide que moi. Alors on va attendre que mes PM se régénèrent un peu. Ouh parfait. Alors non, je propose. On va foncer dans le tas, je pense. Hop, 65. La mélisse, parfait. J'attaque une deuxième fois et on va pouvoir la finir, je pense. Parfait. Bon, on peut continuer du coup. Finalement, ça s'est mieux passé que la première fois. 510 XP, 150 pièces d'or. Parfait. That's it. It's all over.
The Invincibles have done it again! Now, ladies and gentlemen, we're into the semi-finals. And here come our first challengers. Give them a big hand now. It's... the Invincibles! They'll be taking on a pair of dashing dark horses who surprised us all with their flair for ferocity. It's Golden Boy and Sterling Silva, a.k.a. the Bullion Boys! Huh? Yoo-hoo! Look out below! Huh? Yoo-hoo! We meet at last, foul villain. I had hoped you would survive long enough to suffer at my hands. Now, time to lie back and let the great Sylv... I mean, the magnificent Sterling Silva show you which of us is the better once and for all. So you guys know each other? Know each other? None can know the true identity of Sterling Silva and live. Nor that of his faithful sidekick, Golden Boy. The Bullion Boys' real names will go with them to their graves. Huh. These guys sure know how to put on a show. Know this, fiends. We will not be holding back. Our onslaught will be merciless and swift. Likewise. Just my little pre-fight ritual. All right, let's do this. Looks like our fighters are ready to rumble, folks. All right, on my word. Fight! Très bien, troisième combat. Alors, j'espère que j'ai récupéré ma vie, mes PM, ce serait pas mal. Les précieux approchent. Très bien. Oui, parfait, j'ai tout récupéré. Alors, Sylvando qui continue à faire des siennes. Putain, il fait mal. Sylvando, tu l'as pas ce coup-là de base. Je veux pas dire, hein, mais... on peut activer la double garde pour augmenter nos... Putain de merde. C'est que tu fais mal. Merde, putain, j'ai avancé une double garde. Putain. Je suis débile. Putain. Oui, merci. Putain, par contre, j'ai doublé mon taux de protection. C'est pas bon de prendre des coups à chaque tour. Merci. Putain, je bloque rien. C'est lui qui fait tous les dégâts. Alors, on va en mettre quelques-uns quand même. On va défoncer le chérubin avant d'aller s'occuper de notre pote. Je pense que ça va être pas mal comme ça. Il envoie un gros bisou dans les airs, très bien. Putain, il rentre dans l'état hypertonique. Putain, je suis mort. Putain de merde. Ça me fait chier. J'arrive pas à gagner, ça me saoule. Je suis pas assez fort. Je suis à la limite en fait. Bon, écoutez. On va retenter une fois, ça va être pareil, je vais retenter une fois, si ça se passe aussi mal, on arrêtera l'épisode là. Et du coup, on se fera les demi-finales et les finales. Parfait. Ok.
On retente le coup, si ça passe pas. Tant pis. Si ça ne passe pas, tant pis, on arrêtera l'épisode là. Et puis je finirai. J'irai m'entraîner un peu et on. Ah, ça. Merci. Je finirai ça. J'irai m'entraîner, on pourra faire ce combat beaucoup plus agréablement. Putain, il fait mal quand même. Je pense que c'est Sylvando qu'il faut que je focus. On va focus Sylvando. Enfin, l'ange Sylvan. Parce qu'il fait très mal. Tu peux me soigner, s'il te plaît? Merci. Putain. Il fait vraiment trop mal. On va utiliser un remède puissant pour en monter à full vie. Bien. C'est pas lui qu'il faut focus, c'est Sylvando. Prends ça dans ta gueule. C'est bien, attaquez-le lui là. Putain, empoisonné, ouais. Un bisou qu'empoisonne, très bien. Ouais, merci, soigne-moi. Alors je pense, j'ai l'impression que ça se passe quand même un peu mieux. Qui s'attaque plus à Vince, là du coup, je peux rester un peu plus longtemps. Alors, je connais aussi, je gagnais également tes PV, t'as moins de PV que ça. Hein. Je pense que si on pouvait attaquer le même, ce serait pas mal. Ok, et du coup, ils vont balancer leur technique spéciale. Putain! Il fait mal! Il me faut... Putain de merde, je n'ai plus de remède puissant. Eh bien, on va juste faire un premier secours. Ça me manque vraiment. Ah, tu vas me soigner en plus. Parfait. Je remonte full vie, c'est une chance de gagner. Parfait, il s'attaque plus à Vince, moi ça m'arrange. Une fois qu'il y en a un des deux qui sera mort, je pourrais bien plus tanker que ça. Vas-y, attaque. Sylvando, parfait. Parfait, parfait. Et du coup, on peut te finir gentiment. Vince, à mon avis, va me soigner. Parfait. Hop. Encore deux petits coups et il est KO. Vince va pouvoir le finir, je pense. Non, même pas. Bon, bah, c'est moi qui vais le finir. Allez, la victoire est à nous. Bon. Il faut que je m'y reprenne à deux fois pour les vaincre. Très bien. 700 d'XP. Putain, je monte pas de niveau. 3000. Bon, très bien. On a gagné. The Bullion Boys have been beaten! Curses! The great Silva. Sterling Silva defeated! But I feel no shame in losing to one such as you. It was a battle of epic and legendary proportions, and I thank you for it. Good luck in the final, darling. There he goes. Ladies and gentlemen, it's time for the showdown you've all been waiting for. The grand final of the Masked Martial Arts Tournament! That's right. Just two teams remain. Invincibles, if you please! They're hot favorites, folks, but will our hometown hero be able to retain his crown?
Or will surprise newcomers Rab and Jade snatch glory from the reigning champ? Will the princess and the pudding please take to the stage? Yes, it's the girl who moves like lightning, and the old guy who doesn't move at all! Will they be making history here today? It's time to find out! Something about these two gives me the willies, but we got this. Time for a little good luck boost. Did you see that? I did. Oh, yeah! Let's do this. Let's win this thing. All right, laddie. Show us what you've got. This is it, folks. One last time now. Fight! Théo et Jade approchent. Très bien. Bon, je pense que ce combat va être très compliqué. Effectivement, ça va être plutôt chaud. Théo évalue la situation. Bon. Alors, à mon avis, va falloir qu'on foute tout sur Jade parce que Théo a pas l'air de trop bouger. Putain! Et tu me sonnes même pas, toi? Enfoiré? J'étais pratiquement mort. Il me balance un élec. Bon, je crois que ça va être très compliqué. Putain, il ne soigne pas. Ah, bordel de merde. Si je passe mon temps à me soigner, ça va pas aller. Surtout que je soigne que des 30%. Enfin, les 30 PV. Putain, et je m'endors. Bon, bah, c'est bon, c'est fini. Ok, je suis mort. Très bien. Bon, je pense que c'est l'heure de finir l'épisode. Va falloir que j'aille m'entraîner quand même sérieusement parce que je tiens pas la route du tout, je me fais défoncer par le moindre boss. Enfin là, c'est pas des boss, mais enfin vous avez compris. Ah, et vieux, comment tu te sens? Écoute, j'ai de bonnes nouvelles. Après ton KO, j'ai tenu bon, on a accroché un masque nul, ça veut dire qu'on a une deuxième chance. Okay, très bien, on a une deuxième chance chaque match, de toute façon. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Si je vais aller m'entraîner sérieusement avant de revenir, j'irai certainement acheter les équipements nécessaire, donc la nouvelle arme, les nouvelles armures, etc. pour être plus tanky. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'est encore un épisode très long, une heure pratiquement 10 au compteur, c'est pas mal, c'est de bons épisodes, hein, je trouve. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, allez checker nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, comme vous en avez l'habitude. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 13, du coup, de notre Let's Play sur Dragon Quest. Les amis, c'était Matt sur la taverne, allez. Ciao. Bold luminary, we swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Yep. We're all in this together. Show us what you've got. Let's do this. Lead on, darling.